Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture d'une box, la Glossy Box. Alors, on y va. Je pense bien qu'elle est spéciale ce mois-ci. On va l'ouvrir. Enfin, je vais l'ouvrir. Et oui, attention, c'est la belle Glossy Box. Il me semble bien que c'est Alice au pays des merveilles. Waouh, 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 waouh! Une belle box. Voilà comment elle se trouve. On trouve le chat, la clé, la couronne, le petit lapin. La petite tasse avec... la tasse à thé avec la petite théière. Voilà, elle est vraiment très très belle. Ah, bah à l'intérieur, on retrouve ceci dans le carton de la Glossy Box. Qu'est-ce que c'est? Waouh, sympa! Un sac. Il y a un sac avec des ours pour faire les courses. Les courses. Oui, ou aller à la plage, mettre ce qu'on veut dedans. Il est vraiment super beau. Dans le même esprit que la box. Alors on y va, on y va. Je n'ai pas du tout vu de box encore. J'ai pas été voir ce qu'elle contenait. Alors le menu se trouve comme ça cette fois, avec Alice. La petite théière avec sa tasse. Ce sont mon carton. Au pays des merveilles. Ce mois-ci, Jolie Box vous offre un voyage onirique et merveilleux à la poursuite d'un lapin blanc, un peu trop pressé, de dodo dissipé, d'une reine de cœur au caractère bien trempé. Ce coffret au design collection au pays des merveilles vous réserve mille et une surprises, à commencer par ses invités de marque. De la crème s'est réunie dans cette édition unique, qui, nous l'espérons, vous ravivera tant par son habit d'apparat que son contenu. Belle découverte beauté. Donc je referme, je ne regarde pas du tout et nous allons découvrir ça ensemble. J'ai trop hâte. Elle se présente comme ceci, avec un papier toujours sur le thème d'Alice. Ça serait sympa qu'ils en fassent une comme ça sur plein de thèmes. Les Walt Disney, enfin, d'autres thèmes comme ça, je trouve que ce serait vraiment génial que d'avoir tout le temps la box rose, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Premier produit que je trouve, apparemment, c'est un mascara Fairy Flash Curl Jelly Pong Pong. Je ne sais pas ce qui sent bon dans cette box, mais il y a un truc qui sent super bon. Alors, il est fermé de chez fermé. Vous savez que je suis amatrice au niveau des mascaras. J'adore les mascaras. C'est mon maquillage préféré. Et oui, c'est étonnant, mais moi, c'est les mascaras. J'adore. Ensuite vient le eyeliner. Ensuite, les rouges à lèvres rouges. Ah! Voilà, je vous ai enlevé le papier autour. Couleur prune. Et j'ai pas de référence. De toute façon, moi je les ouvre parce que je change tous les jours. C'est comme les parfums en fait, je sais pas pourquoi. Le matin, je me maquille, je suis derrière mes yeux, je me dis « Oh bah tiens, j'ai envie de lui. Oh bah tiens, j'ai envie de lui. » Quand je le connais par cœur, je sais ce qu'il fait au niveau des cils. Hop. Donc, c'est une brosse synthétique. Je ne suis pas partisan des brosses synthétiques. Quand j'ai ces brosses-là, en fait, je les mets en deuxième. C'est-à-dire que je vais mettre une brosse en silicone pour bien les préparer. Et ensuite, je mets une brosse pour donner du volume. Le premier m'allonge les cils et le deuxième me donne du volume. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle du mascara. Donc, à la base, il vaut quand même 25,45 €. Merci. Oh, ouf. La féerie et l'innovation sont réunies dans ce mascara aux propriétés uniques. Féerie Large Curl recouvre les cils de vos yeux tout au long de la journée. Votre regard est sensiblement transformé et magnifié. Faites attention à ce que la reine de cœur ne vienne pas vous le dérober. Appliquez plusieurs couches de mascara pour un effet de volume maximum. Si ça vous dit pour certaines,
que je vous fasse un crash test. Vous avez l'habitude que je vous fasse des crash tests. Laissez-moi en commentaire et bien volontiers, je vous ferai un crash test. Ensuite, je prends un deuxième produit qui est attaché avec le truc blanc. Qu'est-ce que c'est? Tout est écrit en anglais. Face Polish Organic Surge. Je pense que c'est pour nettoyer le visage. Contenance, je pense, de 30 millilitres. Alors, ce produit, c'est une crème normalement perfectrice de peau. C'est une crème visage. Elle est exfoliante. Elle possède des propriétés magiques comme une potion Drink Me. Drink, c'est boire, je crois. Me, moi, buvez-moi. Avec des composants naturels comme cueillis dans le jardin d'Alice. Les noyaux broyés d'olive qui la composent affinent le grain de peau, hydratent et activent la régénération cellulaire. Vous êtes peau neuve et vous retrouvez un teint plus lumineux, comme si vous aviez fait un rêve merveilleux. Donc il faut appliquer une noisette de ce produit sur l'ensemble du visage, préalablement démaquillé. Réaliser un léger massage circulaire pour activer la circulation et rincer à l'aide d'un gant tiède. Je vais le tester bien volontiers. Je ne connais pas du tout. Organic Surge. Alors là, 75 ml, il fait 9,81 €. Là, c'est un 30 ml. Je vous dirai exactement ce que j'en pense hein, dans mes produits finis ou dans mes lundi viens boire un café avec moi. Ensuite, je vais retrouver Sampar. Sampar, je connais. Je n'ai pas testé de produits Sampar. Je me souviens plus quelle youtubeuse. Je me demande si c'est pas TheGM68. Je me demande si c'est pas Sissi Vivi et si c'est pas Art Vintage Gallery. J'ai dû voir des produits Sampa dans leurs vidéos et apparemment ça avait l'air d'être pas mal. Là, c'est une crème hydratante effet soleil qui donne un hâle immédiat et progressif qui prépare et prolonge le bronzage. Ça, c'est cool. Alors, les 30 ml vaut 29 € et là on a 15 ml, ça permet quand même un bel échantillon, ça nous permet de tester. Donc là, eux ils disent que les premiers rayons de soleil ont fait leur apparition. Moi d'ailleurs, j'ai même commencé à appliquer de chez Yves Rocher le lait hydratant au hâle progressif. J'ai commencé d'habitude, l'année dernière j'avais pris le lait Mixa. Je crois que j'avais pris pour les teints, pour les peaux foncées. Je m'étais plantée, en fait, ça avait super bien marché. Je voulais le reprendre et du coup, là, j'en ai plus. Et je me suis dit, allez, t'as une deuxième bouteille de chez Yves Rocher. On commence par ça, on verra l'autre. Donc là, pour le visage, ça tombe pile poil. C'est le moment de réchauffer son teint, de retrouver des couleurs perdues cet hiver avec une crème hydratante mine d'or. Elle va vous émerveiller par sa couleur unique qui se fond sur son double effet. Soleil qui réchauffe instantanément le teint. Jour après jour, vous avez bonne mine et sans autant bronzant. Donc, on va y aller mollo déjà. Hein, on va peut-être faire un jour sur deux pour voir. Et bien sûr, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, on avait Nietzsche Essence. Tiens, la Glossy Box est fou essence. Pas mal. C'est une belle couleur aussi. Alors là, vous le voyez rouge, mais pas du tout. Je sais pas trop comment vous le décrire. Donc il vaut 99 €. Donc là on l'a en full size. J'ai pas la teinte. C'est True, le 10, le True Love. Pour celles qui ont les magasins essence. Voilà. C'est un Bordeaux Fuchsia Rose. Ouais. C'est pas du tout un rouge. Hein. Voilà. Ah, j'ai un autre produit. Oh, ils ont mis une tonne de trucs blancs comme ça. Ça, par contre, c'est un peu de gaspillage. Il y en a un peu trop, là. Oui, ça va pas se casser, mais bon. Et ça, c'est quoi? Aussi. Tiens, produit aussi. J'en ai entendu aussi beaucoup parler. Je sais qu'ils en font, ces produits-là. Donc, bien sûr, il y a ceux de France, ceux des États-Unis. Et je sais plus quel des deux... États-Unis ou France, qui est moins bien, mais je sais que j'en ai vu chez Monoprix. Et d'ailleurs, je me demande même si c'est pas dans une vidéo de chez Art Vintage Gallery qui en a parlé, Floriane. Alors, je suis en train de rechercher le produit. Voilà. Donc, c'est un masque. 3 minutes.
Donc les 250 ml valent 9 euros. Là, il y en a 75. On peut aussi se rendre compte. Alors, parfumé et addictif qu'un bonbon sucré, ce masque capillaire réparateur prend soin de votre chevelure tout en déposant un léger sillage gourmand. Comme si vous étiez au pays des merveilles, il susurre, occupe-toi de faire ta vie, moi je m'occupe de te faire des cheveux sublimes. Voilà, appliqué sur cheveux, mis les pointes, tatati, tatata. Ah oui, dis donc, ça sent vraiment le bonbon. Ça sent trop bon. Cette box, elle est vraiment terrible. Elle est vraiment belle. Moi, j'en suis vraiment contente. On retourne dans notre enfance. Le packaging, il est vraiment génial. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et les produits qu'il y a à découvrir. Donc déjà, on a quand même deux full size. Hein. Déjà, rien qu'avec le mascara, la boîte a l'air largement remboursée. Franchement, les filles, foncez si vous la voulez. Je pense que ça fait partie quand même des boîtes, mais je trouve depuis le mois de novembre en fait, septembre, octobre, je ne sais plus, la Glossy Box, elle est vraiment géniale. Moi j'avais arrêté l'abonnement parce que j'aimais pas du tout, justement on n'avait pas autant de produits full size, ou alors c'était des boules merdouilles on va dire, hein, en parlant honnêtement, et je m'étais dit non c'est bon, donner 15 euros tous les mois, j'ai autre chose à faire. Avec mes 15 euros que ça. Et là, en fait, franchement, super. Bah, moi, j'ai arrêté l'abonnement, mais je pense qu'ils ne m'ont pas arrêté. J'ai regardé et... Voilà. Donc, c'est cool. Voilà. Donc, je vous ai dit, ce produit mascara, si vous voulez un tuto, il y a pas... Enfin, un crash test. Ce vernis-là. Super belle découverte, sympa. Effet bonne mine, enfin... Oui, c'est ça. Hein. Mine d'or. Ensuite, ce produit-là aussi à servir après le démaquillage et le masque. Franchement, top, top, top. Et on vous dit, on a, je trouve ça génial, au moins ça va servir. Voilà, même si c'est pas pour moi, ça va être pour ma Lily, mais bon, ça sert toujours. Des petits sacs comme ça à mettre dans le sac à main. Et hop, dès qu'on fait des courses improvisées, ça m'est déjà arrivé de prendre celui-là d'Yves Rocher, c'est vraiment génial. En tout cas, moi j'aime beaucoup cette box de ce mois-là. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Smile and Zen.